Alors, les amis, je n'ai pas débloqué Basket excessivement, mais bon, vous avez pu ressentir dans mon dernier épisode une hésitation, et non pas une excitation, même si j'aime beaucoup ce jeu, par rapport aux skills. Comme vous voyez, il y a plusieurs gangs. Ici, c'est les mafieux, les mobsters, et si je fais du bodybuilding avec eux, ça augmente mon amitié avec eux, et après, je pourrais rejoindre leur gang. Voilà. Pareil pour les gambling... C'est quoi? C'est... J'ai oublié le nom du gang, mais eux, ils sont spécialisés dans les jeux. Et eux, il va falloir que je joue aux échecs avec eux, je n'ai pas ce skill-là. Le basketball, c'est celui que je veux. Pourquoi? Pour avoir une remise éventuellement sur la partie basket. Enfin, sur la partie de leur shopping. Leur shopping est intéressant. Notamment, il y a le bouquin de cul. Et il y a des outils intéressants qui coûtent relativement cher et qui sont assez indispensables. Donc, j'aimerais bien intégrer ce gang pour avoir des remises chez eux. Voilà. Ensuite, ici, j'ai le chit-chat. Chit-chat, c'est à partir du moment où tu as le skill social, tu peux éventuellement intégrer ce gang. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, c'est toute l'équipe du Seigneur des Anneaux. Est-ce que ces mecs-là, je les rejoins? Puis il y a Boromir, il y a Grandpa, Aragorn, T-Bag, non, là, rien à voir, mais c'est pas grave. Il y a The Rock et lui, Xar. Je sais pas dans quoi je l'ai vu celui-là. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, j'ai besoin donc d'amis. Et on pourrait commencer par notre objectif principal, c'est de me faire ami avec Frodo. Frodo, c'est parti, social. Slurp, slurp, slurp. Amitié, amitié, amitié. D'ici demain, on sera les meilleurs potins. On va aller manger, si j'ai moyen. Alors lui il est pas dans un gang, je suis avec lui. Comme ça, je vais pas me faire racketter à table. L'avantage, c'est quand t'as des potes, ils vont t'aider un peu dans la baston. Et si je m'attaque avec des mecs faibles, je suis quasiment sûr d'arriver à bout. Je me casse, j'ai récupéré de l'énergie. Tout va bien pour le moment. Ensuite, je vais continuer mon amitié avec Frodon, quoique... J'ai besoin d'une blague pour apprendre le basket. Pour avoir de la thune, il va falloir que j'affronte des faibles. Des faibles, mais super faibles, parce que moi, je suis pas super champion niveau baston. Golem ne veut même pas. Je pense que je peux arriver, avec un peu de chance, à lui faire la peau. 18, allez, 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 tu peux le faire. Oui, putain, donne-moi ta caillasse. Allez, un petit peu plus de caillasse, s'il vous plaît. Je crois que Kip est vraiment très faible, et il m'aime pas, d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Allez, on le raquette. Bully. Ouh là là, il est relativement fort aujourd'hui. Je n'ai aucun bonus. Oui, putain, vas-y, donne ta thune. Alors là, je vais courir sur la partie gauche pour aller à la télévision. Avant de me faire intercepter par un mec. Hop, voilà, Watch TV. Soap opéra, je cherche à obtenir une blague, et pour avoir une blague, il faut regarder la télévision. Allez, un coup de bol. Oh putain, j'ai pas eu de blague. Il faut que je raquette quelqu'un. Il faut que je raquette quelqu'un de pas dangereux. Nocy Punk. Twig, il est occupé. T-Pop, K-Pop. Ah, ils sont plus forts que moi. Ah, je pourrais faire un job éventuellement. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, une Elite Pile, 91. Putain, ouais, j'ai bien fait de la voler. Donc là, je perds ma pilule de santé, mais j'ai quand même beaucoup de caillasse pour regarder la télé. Oh merde. J'ai pas eu ma blague. Ah là là, ça va être dur donc pour apprendre le skill basketball, mais c'est pas grave. Je prends la douche. Je rappelle, le skill basketball, c'est celui qui t'évite de faire tomber le savon. Il te donne un bonus assez notable, et donc ça t'évite le viol, hein, et donc un des gros problèmes de santé et de bonheur qui pourrait te mener à la mort ou au suicide. Je peux entraîner des skills, ils sont tous au max. Est-ce que j'aurais pas une blague qui traîne quelque part? Non, 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 je veux pas m'entendre bien avec eux là. Yes. Attends, j'ai pas fait copain-copain avec mes amis de... Ah non, j'ai pas fait copain-copain avec mes amis de prison. Lui, c'est quoi ces skills? Je pourrais éventuellement sympathiser. Et dis donc, ils ont changé, mes amis de prison. C'est plus eux. Ah si, peut-être.
Lui, il propose basketball et threaten, c'est-à-dire menace, et c'est deux skills que je peux apprendre. Ça peut être une bonne utilisation de ma nuit. Je regarde aussi si je peux faire... Non, j'ai pas de quoi faire un sandwich. Je préfère bien dormir. Attends, alors on va un peu. 10h, 10h du soir, 11h du soir, minuit. Je terminerai demain et je vais dormir pour récupérer un petit peu d'énergie. C'est bien, regardez ces jauges, elles sont sublimes. Ok, le problème habituel, je vais aller appeler ma femme, lui dire que je l'aime. Voilà, ça c'est fait. Je vais sympathiser avec Frodon et en faire mon meilleur pote. Ah merde, putain, il est occupé, il fait du shopping au jour du Frodon, je peux pas en faire mon pote. Ça craint. Gangolf, il est pas là. Il y a The White, donc ça c'est Saruman. Je vais déjà péter la gueule. Et si on faisait les poches des gens, il y a peut-être des trucs à piquer. Yes. Bon, sinon je vais améliorer mes... Je vais rentrer dans ce gang, hein, que veux-tu, hein. Sinon le basket, on y sera dans 100 ans. Hop. Social, vous voyez, je booste. Et quand je serai à 100, je pourrai intégrer ce magnifique gang et les avoir dans mon équipe. Je choisis ma table. Frodon aussi va faire chier parce que je suis pas encore pote avec lui. The Rock, ok. Oh putain, ils sont tous dans des gangs les mecs. Ça va être chaud. Faut que je m'assoie à côté d'un faible. À mon avis, le plus faible, c'est Frodon. Donc ça va pas améliorer nos amitiés, mais c'est pas grave. Ouh là là, ils vont m'agresser. Alors, je vais essayer... Oh putain, je me suis barré. Tu vois, j'ai préféré faire le lâche. Ah, j'ai pas mangé du coup. Ça va vachement influencer mon bonheur, mais c'est pas grave. On va continuer à aller regarder la télé, tant qu'on a de la caillasse. Jusqu'à ce qu'on ait une blague. Oui, on a une blague. Ok, fuck ce gang de merde. Je vais juste... Oh putain, je me fais massacre. Je vais essayer de le convaincre. Hey bro, listen to me, je suis pas ton pote. Shut up. C'est ta gueule où je te ferme, où je vais te fermer, où je vais te péter les dents. Donc il va m'agresser et probablement me piquer un bon peu de thunes. Puisque je suis faible. Oh putain, j'ai réussi. You want to fight me? Et t'arraches ton t-shirt. Non, j'étais juste en train de... J'étais juste cogné sans faire exprès. Bye. Personne ne me harcèle. Ok. Du coup, Frodon, ça te dit qu'on soit pote? C'est notre objectif, hein. Je te rappelle qu'on doit s'échapper ensemble, mon pote. Et si tu... Ouh là là, pas assez. Il est 5h de l'après-midi. Je vais manger 2-3 trucs. Je peux bouffer une pomme. Une pomme. Je vais continuer à fricoter avec Frodon. Oh putain, 99. C'est pas assez. C'est pas assez. Bah tu sais quoi? Bah ça sera pour demain, mon petit pote. Et je vais voler quelqu'un. Y a rien à voler là. Ah si, un bouquin de cul. Excellent pour être heureux. En tout cas en prison. Hop, on se casse. Et c'est le moment de la douche. Vais-je faire tomber la savonnette? Il est relativement agile, le petit Sam, donc ça m'étonnerait. Ouais, super. Alors attendez. Ce que je vais faire. On peut rester plus longtemps sous la douche. Donc là, je reste pour voir. Je tente le diable, hein, comme on dit. Alors, shower. Oh bah, ce festival! Je gagne un bonus d'énergie et de bonheur. C'est le bonheur pour moi. La prison, c'est fabuleux. Est-ce que j'aurai de quoi socialiser avec lui? Oui, purée, génial. Super. Alors, je vais apprendre ses skills et je vais apprendre le skill basketball. Et je vais l'apprendre cette nuit. J'ai bien fait d'anticiper mon amitié avec lui. Et ce mec-là aussi, je vais le recruter dans mon équipe. Il fera partie de mon équipe d'évasion. Parfait. Alors il m'explique. Ok, t'as l'air utile. Tu vas joindre mon team d'évasion, ma team d'évasion. Ok. Laisse-moi clarifier ce que tu vas faire en tant que teammate, en tant que membre de l'équipe. Je vais t'aider une fois par jour pour harceler, extorquer, se battre, etc.
et tu peux utiliser mes skills pendant l'évasion, mais pas pendant la journée. Ok. Et à la fin, tu pourras toujours me trouver là où je bosse. Je sais pas où il bosse, mais c'est pas grave. Ok, du coup, moi, pendant la nuit... Oh, j'ai pas assez d'énergie pour entraîner le basket. Puisque j'ai pas de... J'ai plus d'énergie. Ouais, parce que là, j'aurais pu entraîner le skill basket, mais je suis à plat, là. Et donc, je pourrais pas. Ok, les mecs, on dort. Et on enchaîne. J'ai fait un cauchemar, donc j'ai moins 30 en bonheur. Hein, ça fait chier. Et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Vient l'appel du jour, ma femme. Alors, j'ai la possibilité de me dire de me visiter ou de m'envoyer de la caillasse. Mais je vais attendre d'être à 100 pour ça. Pour la caillasse, parce qu'elle m'enverra plus de caillasse. Ok, je vais continuer à fricoter avec l'équipe du Seigneur des Anneaux. Du coup, tant pis pour le basket, ça sera un bonus. Non, d'abord Frodon. Frodon priorité, mon pote. Social, social. J'ai deux petits bonus sympas. Ça y est, génial. Je peux apprendre des trucs avec lui, et notamment les blagues. Ça peut m'aider à m'en sortir quand je suis en isolement, ce qui n'arrivera pas puisque je peux accuser n'importe qui. Lockpick, ça peut être sympa. Mais bon, je vais simplement le recruter. Il me servira à harceler les autres. Parfait, il me dit la même chose. Il m'aide une fois par jour, etc. etc. Je suis jamais allé au boulot encore. Go to work, parce que c'est lavage des chiottes. C'est pour gagner un peu de thunes. On verra peut-être dans un autre épisode. Pour le moment, il n'y a pas besoin. Je vais faire du chit-chat avec eux. C'est-à-dire que je vais améliorer mes relations avec ce gang en vue de l'intégrer. Et donc me faire une équipe. Et j'aurai plus de problèmes justement au repas du midi où ils traînent en groupe, les mecs. Donc là, je cherche des mecs qui soient sans gang. Je me mets à côté d'eux. Et tu sais quoi? Même que je vais en racketter. Hein. Eh ouais. Rien à foutre. Rien à foutre. C'est super, ça. Lui, il m'a l'air faible. Pedro. Ouais. Et ben, tu sais quoi? Je lui prends sa bouffe à Pedro. Ah, j'ai pas eu d'aide sur ce coup-là. C'est con. Ah si, c'est là. Parfait. Vous avez vu, il y a Frodon qui m'aide. Plus 5. Vas-y, donne ta bouffe, mec. Alors, du coup, il y a un autre qui est censé m'aider, mais il n'est pas présent là. Je pourrais me faire ami avec Gollum, mais il n'est pas là non plus. Ouais, Legolas, ça serait sympa de l'avoir comme pote. Fighter Killer. Bof. Randy. Il fait des paris. Lui, il est plutôt pas mal. Non, des échecs éventuellement, des échecs. Les échecs, ça peut être bien, c'est un bonus de plus quand tu veux tricher aux cartes. Allez, le roi du... Je vais lui offrir mon... Ma nourriture. Et je mange ce qui reste, enfin ma nourriture, celle que j'ai volée. Lui aussi, je peux le racketter. C'est quoi? Je peux carrément le racketter. Vas-y, donne ta bouffe. Ah, merde. Take food, pardon. Je lui prends sa bouffe. Je vais sûrement avoir un coup de main de mon ami à... Voilà, lui, là. Le punk. Super. Et on va continuer à se faire des potes comme ça. Et Legolas, c'est une bonne idée. Ah bah non, je vais manger parce que j'ai besoin de plus d'énergie. Aujourd'hui, je prends deux repas. Je suis un badass. Sam le badass. Nickel. Donc, j'ai 77 en thunes. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je peux me changer de cellule en payant ce mec. Voilà. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Je pourrais peut-être sympathiser avec Gollum, puisque c'est un de mes objectifs au final. On pourrait remettre un petit peu notre relation sur de bonnes bases, même si je vais le trahir à la fin, comme un gros chien. C'est pas grave, c'est la dure vie de la prison. Ah, j'ai plus d'énergie. Ah, si, j'ai encore de l'énergie. Ah non, putain, il y a un mec qui vient me péter la gueule. Putain, si je peux le persuader. Oh là là, attends, lui, parce que lui, c'est une grande gueule. Hein. Ça m'étonnerait que je fasse tout quoi. Ouh là 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 là. Pas moyen de le persuader. Il va m'envoyer à l'hosto, le mec. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu es faible. Ok, ok. Ah là là, c'est la tristesse. Mais vu que je suis un voleur professionnel, je vais en profiter pour...
Alors, des pilules, j'en ai combien, moi? Inventory, j'ai une pilule de maladie, donc je vais pas en voler. Je vais voler que des pilules de santé, qui valent 160 chacune. Vu que... Oh putain, j'ai pas assez d'énergie. Bon, bah, je vais me soigner. Putain, ça récupère pas l'énergie! Oh, la tristesse, allez. Oh putain, ça n'ajoute rien. Oh là là, je suis obligé de glandouiller, je peux rien voler, j'ai pas d'énergie. Ok, bon, c'est pas grave, je remonte ma vie. Ma vie qui remonte. Je peux même pas draguer le docteur, quoi, quelle tristesse. Hop. Ok, retour en prison. Heureusement, j'ai bien mangé ce midi. Énergie, donc c'est la mort, hein. Il va falloir que je pique des hamburgers, il va falloir que je fasse des poches demain. Ok, et donc je ne peux pas entraîner mes skills. Peut-être une fois. Ouais, c'est bon. C'est toujours ça de prix, c'est toujours ça de prix. Et on dort. Ah non, non, non. On regarde un bouquin de cul pour remonter mon bonheur. Et je dors. Ouh là là, j'ai fait... J'ai pas dormi assez, dis donc. Ah oui, je suis rentré tard de l'hôpital. Ouh là, ça commence à sentir mauvais au niveau du bonheur. Alors, ma femme... Je crois qu'elle m'adore. Ouais, je lui ai demandé de la thune. Elle m'a envoyé 90. Par contre, un petit peu, nos relations a souffert un petit peu. Putain. Hey, bro. I'm not sure, bro. Ok. Il va me faire... Il va me harceler, là. Et c'est con parce que j'avais beaucoup de thune. J'espère qu'il va pas prendre trop. Vas-y, elle va faire 43. Impossible. Frodon n'a même pas pu faire le poids. Ok, tu sais quoi, je vais acheter tout de suite des trucs utiles. Ici, je vais acheter le bouquin de cul. Ici, je vais acheter de quoi me faire le hamburger qui sauve. Hop, donc du pain, de la viande. Et je vais continuer à sympathiser avec eux. En vue... Putain, j'ai plus assez d'énergie, putain. Je vais être obligé de lui acheter de la bouffe. Un café, une pomme. C'est vrai que j'ai un peu de thune. Ah putain, c'est trop tard. Pff, mon bonheur a pris cher. Hein. C'est pas aujourd'hui que je vais intégrer le gang. Ils sont tous dans un gang. Oh là là là. Heureusement, Frodo est faible. Je vais me mettre à côté de lui. Je crois pas qu'il va me faire passer avant. Ouais, c'est ça, il va pas me faire passer avant. Est-ce que j'ai une blague en stock? Non, putain, j'ai pas de blague en stock. Je peux payer 20 pour pouvoir bouffer. Ok. Allez, je me suis fait racketter de 20$. Putain, juste pour pouvoir manger, quoi. Pas de chance. C'est pas grave, bientôt je serai parti de leur gang de merde. Ok, ok. Que pourrais-je donc faire, donc? J'aurais pu harceler des gens. J'aurais pu remonter mon bonheur en regardant la télé. Aussi... J'aurais pu faire les poches de quelqu'un. Un bon petit hamburger si possible. Un déjà fait. Bouquin de cul, j'en ai en stock ou pas? Ouais, j'en ai plein, j'en ai plein. L'avantage, c'est que c'est un voleur. Le petit Sam. Et le voleur, il y a beaucoup de choses qu'il arrive à obtenir gratuitement. Bah oui, parce que c'est le principe. Ce que tu voles, tu ne le payes pas. C'est pas un conseil de vie hein, que je vous donne là, c'est un jeu. Non, parce qu'après on va me tirer. Ok, on continue. Alors, bait, non, je vais pas apply, je vais pas devenir boxeur, ça c'est sûr. Ici, je peux tricher moi ou pas? On va voir, si je mets 10. Oh oui, vu que j'ai un petit côté voleur. C'est pas assez ça. Qu'est-ce que je pourrais avoir pour tricher? Il faudrait que j'ai le gumball en plus. Ok. Je vais garder peut-être un petit peu mon énergie. Vous savez comment on la garde, l'énergie? Je vais faire une belle sieste. Allez, on va nettoyer les chiottes, tiens, pour vous montrer. Alors lui, il bosse ici. Pourquoi je... Oh. Ah, tu peux leur demander au mec de se barrer, en fait, et de pas revenir. D'accord. Et en plus, ces deux mecs-là, c'est de mes potes. C'est-à-dire que tu peux creuser un tunnel d'ici. Et pour aller où? Au storeroom. Très intéressant. Ok.
Par contre, tu ne peux y aller qu'au moment où tu lances ton évasion. Donc, il faut que le plan complet soit fait. Ok. Je vais pas bosser parce que j'ai pas besoin de cette thune-là. C'était juste pour vous montrer les chiottes. Ok. Est-ce qu'il y a un job de mafia? Je peux voler au mec K-pop. Ça rapporte, ça? Hop. On va voler un truc au mec de la K-pop qui doit être pas loin. C'est le T-pop. K-pop, allez. On lui fait les poches. Ça va aller très bien. En plus, je vais avoir une petite cuillère. Nickel. Super. Mon job est réussi. Je le valide. J'ai gagné 25 et un petit peu de réputation, ce qui est plutôt cool. Ok, et d'ailleurs je pourrais tricher du coup. Allez, on va tricher 50. Wouhou ! Génial. Réussier. Mais j'ai bien gagné ma thune aujourd'hui. Donc je suis à 124 et on pourrait se sauver peut-être d'une vie de misère en regardant un peu la télévision. Oh putain, elle était en panne. Ah, ça y est, super. Ok. Je vais pas déprimer dans ma cellule et ça c'est bien. Je regarde un petit peu où on en est. Pour l'instant je continue les épisodes environ 30 minutes. Hein, puisque je suis pas sûr, je vais essayer de faire court avec ce let's play. Je suis pas sûr que vous soyez nombreux à regarder. Puisque en fait j'ai tout de suite enchaîné. Parce que je voulais y jouer pour moi à mon plaisir personnel. Donc je me suis dit et que j'ai qu'une sauvegarde. Je me dis on va aller jusqu'au bout ensemble, on est malade. Allez, je prends la douche. Enfin, je suis un champion de la douche quoi. Heureusement qu'il est super agile, hein. C'est un hobbit, hein, faut pas oublier. Je reste parce que j'aime vivre dangereusement. Oulalalalalalala. Attention. Oh, ça, j'ai fait tomber mon savon. Oh non. Et là, il va falloir ramasser le savon. Par chance, j'ai quand même des bons bonus avec ça. Voilà, les doigts dans le nez. Donc vraiment, le basketball, c'est pas essentiel pour Sam. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, y compris vous. Alors, dans mon crafting, que je ne peux faire que la nuit, qu'est-ce que j'ai récupéré? Rien d'intéressant. Les trucs à burger, pour me faire un burger. Alors, je vous ai pas montré le crafting. C'est vrai qu'il y a tellement de choses. Je connais le jeu par cœur, et du coup, je vous ai pas tout montré. Ici, on peut entraîner des cafards à faire des échanges et on peut récupérer des items bizarres en fait en fonction. Là, on peut faire une petite arme. Par exemple, ici, ouais, je peux faire une petite arme. Pour assassiner quelqu'un éventuellement, c'est pas la meilleure arme. Alors, on peut faire un gun carrément, mais il faut pas mal d'intelligence, ce qui n'est pas mon cas. Je ne pourrais jamais faire ça avec, avec Sam. Une pilule de diarrhée que tu peux acheter, je pense, si tu peux pas la fabriquer. Pareil pour la pilule de maladie, hein, j'en ai une, vous avez vu. Le burger, j'en ai déjà fabriqué un. Un café drogué, c'est pour truquer les matchs de boxe, très intéressant. La viande droguée, c'est pour endormir les chiens au moment de votre évasion. La carte d'identité, a priori, c'est sûrement pour un moyen d'évasion, mais que je n'ai pas encore utilisé. Il y a des fausses clés, kitchen clay, donc les clés des différents trucs, ça peut être intéressant. Comment on fait des fake clés? Bon, je suis pas assez intelligent pour faire ça, donc c'est pas le genre de partie que je peux faire avec ce personnage. Mais on va entraîner nos skills après avoir pris le hamburger qui va bien. Alors, je clique sur mon perso, inventaire, le hamburger, je booste comme ça ma forme. Et pendant la nuit, je vais apprendre mes skills basketball. Ah putain, encore un peu s'il te plaît. Ah putain, il est 6h du match, j'ai pas pu. Ok, game sauvegardé. Et je suis bien fatigué parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Ah, donc j'ai gagné un achievement, je suis voleur. D'accord. On va continuer les amitiés. Bon déjà, toujours avec... Attends, vous savez quoi? Avec toute la thune que j'ai, je vais arroser Monsieur Esclave. Je vais l'arroser pour qu'il me permette de passer 2 coups de fil par jour. Ce qui me permettra d'avoir une ressource de cash avec ma femme bien plus souvent. D'accord, merci mec. Ça peut être très important. Ah bah très bien, en plus lui il vient m'extorquer de la thune, ça tombe bien j'en ai plus.
Ça peut être très important de se mettre les gardes dans la poche. C'est parce que vous pouvez appeler votre avocat et lui demander en fait un temps de probation. Et là, en fait, il est libéré sur parole. Et si les gardes sont de votre côté, si vous êtes tenu à carreau, vous avez plus de chances d'être libéré. Voilà. Donc ça aussi, c'est un autre avantage. Je ne fais pas encore partie putain de cette putain de team. J'ai oublié. Alors là, il faut qu'on fasse ça avant la fin de l'épisode. Oh putain! Vous m'avez pas vu faire partie de la team. Bon, c'est pas grave. J'ai fait plein de trucs intéressants. On va leur péter la gueule à ces mecs, vous allez voir. J'ai besoin d'énergie. Alors d'abord, je mange, parce que j'ai besoin d'énergie. Ensuite, Cooper, je lui prends sa bouffe. Parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, Cooper. Avec un petit coup de pouce de mon ami Poilonné. Super, j'ai la bouffe. Toi, pareil, je lui prends sa bouffe. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ah, j'ai de l'aide de personne. Et là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Heureusement, je reste à table. Ok, je mangeais ça déjà. Et je mange tout. Ok, ok. Alors, je vais faire quoi? On a dit Gollum ou télévision? Ah putain, j'ai pas assez pour la télé. Gollum. Gollum, t'es mon pote? Gollum, t'es mon pote. Social. Hop. L'objectif étant de s'évader avec lui, je vous rappelle, et de l'abandonner. Pour cela, il faut qu'il soit mon pote d'évasion. Ça y est, je vais tout de suite le recruter. Il a accepté. Tu as l'air utile. Ok, il me fait le laïus habituel. Et on part à la douche. Très bien ça. J'ai actuellement 3 potes susceptibles de m'aider dans les raquettes. Ou dans les pétages de gueule. Par exemple, lui, je suis pété la gueule. Putain, je peux assassiner quelqu'un dans la douche. Mais là, c'est la prison à vie, là. Pas tout de suite. Je prends ma douche, j'appuie sur le bouton. Et on passe les doigts dans le nez. Je vais rester pour un bonus de bonheur, là, parce que sinon... Alors les amis, donc j'ai dû recharger le jour et j'ai à peu près fait la même chose, hein, parce que je m'en rappelle. Et le jeu avait crashé, hein, ce sont des choses qui arrivent. Et il y a un effet papillon, c'est que tu peux recharger le matin où tu t'es endormi. Ok, donc je prends la douche, je passe, hein, pas de problème. Et je vais rester pour essayer d'avoir la jauge au-dessus des 30, qui m'évite en fait de déprimer dans ma cellule. Je vous rappelle, 3 jours de déprime, c'est le suicide. Parfait, parfait, ça y est. Plus 6 happiness. Très, très, très bien. Du coup, je me retrouve avec relativement pas mal d'énergie. Je vais pouvoir finir d'entraîner le skill basketball. Donc, fini de faire tomber le savon dans la douche. Ça, c'est réglé. Putain, mais les gars changent, en fait, de temps en temps. Ah non, non, c'est moi qui me suis planté. Ça serait bien que j'apprenne le skill Threaten. Le skill Threaten, c'est pour être menaçant. Et lui, c'est mon pote, donc je peux le faire. Je peux le faire. Et ça, c'est un plus 8 de bonus quand tu vas attaquer quelqu'un. Demain, je vole un miroir. Demain, je vais rentrer dans l'équipe des Broken Hearts, des briseurs de cœur, des briskers, l'équipe de Frodon, de Grandpa, de Gandalf, de Saruman, donc l'équipe du Seigneur des Anneaux. Je fais partie de leur gang et promis, avant de nous évader, si vous aimez cette série et si vous le souhaitez, je serai chef de gang. Ouais, peine capitale et tout. Allez, bise, c'était Fanta. Attends, je vais sauvegarder. Hop, attends. D'abord, je sauvegarde pas, je vérifie si je peux pas me faire un petit sandwich. Pour le stock. Non, purée, j'ai oublié d'acheter. Enfin, j'ai plus de sous, surtout, je me suis fait inquiéter. Je vais lire un des bouquins de cul et épuiser mon stock. Et je dors. Bise, c'était Fanta. Je regarde un petit peu mes jauges. Ouais, c'est bien ça. Allez, bise.